Pour être plus simple, c'est le taux anormalement élevé du sucre dans le sang. Et c'est une maladie qu'on appelle maladie à bas bruit, c'est-à-dire que quelquefois il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes. Et quand il n'y a pas de signes, on vit normalement et ça peut détruire beaucoup d'organes, dont les vaisseaux sanguins, les artères, et également les reins, le cœur, etc. Donc ce qu'on fait pour éviter ces complications, c'est de faire un dépistage systématique. Vous savez, beaucoup d'Ivoiriens ne font pas ce dépistage et malheureusement, les conséquences peuvent être graves. Donc au niveau de la pharmacie balnéaire, en collaboration avec les laboratoires balnéaires et une ONG, nous avons donc décidé d'offrir gratuitement ce dépistage-là à la population de Port-Bouy. L'objectif, c'est que la population se rende compte de son état. Si jamais il y a des personnes diabétiques, il y a une prise en charge qui se fait par un médecin diabétologue spécialiste au niveau de la pharmacie. Et si jamais le résultat est bon, ben, tant mieux, il peut varier leurs occupations. Donc le médecin passe souvent, peut faire un suivi et une explication de ce qu'il faut faire, l'hygiène de vie, l'alimentation, tout ça, de telle sorte que la personne puisse réduire son taux de sucre et puis vivre normalement. C'est donc un appel à toute la population de Port-Bouy afin qu'elle vienne à la pharmacie balnéaire pour qu'au niveau du laboratoire, on puisse faire gratuitement ce dépistage-là afin qu'elle puisse savoir son statut diabétique. En tout cas, merci encore à la population, merci pour ce que vous faites. Nous sommes à votre disposition. Je vous remercie.